Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, toujours au salon Bipositive, et nous allons parler de la filière française forêt-bois. Avec moi, monsieur Cyril Lepicard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Bois Forêt. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire qui est France Bois Forêt ? France Bois Forêt est l'interprofession nationale forêt-bois qui regroupe une vingtaine d'organisations professionnelles, du producteur de graines d'arbres jusqu'au produit fini, le parquet ou d'autres produits transformés en bois. Nous sommes présents sur l'ensemble de la France et nous représentons ces organisations professionnelles, tant au niveau politique qu'économique, pour la promotion d'un produit, le bois. Vous êtes partenaire du Salon Bipositive. Pourquoi tout simplement ce partenariat ? Qu'est-ce que vous pensez qui est intéressant de venir dire ici et montrer ici ? Oui, alors, l'objectif de France Bois Forêt, c'est la promotion d'un produit, d'un matériau, le bois. Et il se trouve que la première énergie renouvelable en France, c'est bien l'énergie bois. Donc il était naturel que nous venions faire la promotion du bois énergie, du bois ici, énergie sur un salon dans consacré à l'énergie. Ce salon des énergies renouvelables. C'est tout à fait logique et on est très content d'être là. Alors, y a une deuxième chose, c'est que vous défendez la filière. 2017, année électorale. Finalement, vous vous êtes dit, on va aller porter notre message auprès des différents candidats. Il y a eu un petit opus d'écrit sur le sujet. Les enjeux de la filière bois-forêt pour les élections nationales en 2017. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'interpeller les candidats sur les problématiques de la filière bois ? Et parce que justement, la filière bois, c'est une filière d'avenir. C'est une filière d'avenir, c'est une filière qui crée des emplois, c'est une filière qui, même au niveau du grand public, arrive à une certaine notoriété. Et économiquement, cette filière va grandir. Mais elle ne peut grandir que si on demande au pouvoir public un certain nombre de moyens supplémentaires ou complémentaires. La deuxième raison, c'est de demander à toute la filière forêt-bois d'écrire ce qu'ils veulent exactement. Et c'est ce document rassemble toutes les demandes. C'est faites. Une synthèse. Voilà. C'est-à-dire que vous, France Bois Forêt, vous êtes allé voir l'ensemble de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de partenaires ou de... D'organisations professionnelles. Et vous leur avez dit, voilà, pour vous, quel serait le point important à mettre en avant auprès des candidats à l'élection présidentielle ? Alors, on a passé près de 6 mois sur le sujet pour que l'ensemble des organisations puissent s'exprimer à travers des thèmes communs. Il y a souvent des thèmes transversaux, des thèmes de filière. Oui, là, c'était les thèmes communs à l'ensemble de la filière. Voilà. Ce document a été lu et relu par l'ensemble des organisations et les premiers résultats sont très positifs puisque c'est la première fois que l'interprofession fait un document qui est nécessaire pour les candidats. Oui, qui n'ont peut-être pas une si bonne connaissance que ça du secteur. Alors, on s'aperçoit que, effectivement, ils sous-estiment la force économique de la filière. Ils sous-estiment la force sociale aussi. Et ce document est fait pour replacer la filière bois au centre des préoccupations que peuvent avoir certains candidats. Donc, on l'a envoyé aux députés, aux sénateurs, aux candidats à la présidence de la République, et parce que on considère que c'est le bon moment de le faire. Pour les interpeller. Et on peut aussi, évidemment, le télécharger en Alors, ligne. C'est sur un document le site public, internet bien sûr. Sur le site France Bois Forêt, vous aurez évidemment le document dans son intégralité. Alors, on a 7 demandes aux futurs responsables publics qui sont ressorties. Quelles sont-elles, si vous les avez en tête Les grands thèmes, c'est d'abord d'aider l'aval. L'aval, c'est-à-dire l'industrie de transformation. Plus l'industrie de transformation sera dynamique et sera inventive, plus la filière sera forte. C'est bien par l'aval de la filière qu'on peut dynamiser. Alors pour ceux qui ne sont pas au fait de ces questions, l'aval, c'est... Alors l'aval, ça démarre au scieur et ça va jusqu'au produit transformé. Le produit transformé, c'est cette table. Le produit transformé, c'est des emballages bois. Pour, par exemple, les bourriches d'huîtres, pour les cajots que nous voyons sur les marchés. Ah, les palettes. Les palettes, tout ce circuit qui est très dynamique et qui est en bois.
Voilà. Donc c'est ce circuit-là qu'il faut structurer et qu'il faut défendre. Et plus ensuite la transformation de la transformation jusqu'au meuble, jusqu'au produit, on peut dire, fini en bois. Et il faut que tout le monde comprenne que le bois est une... c'est pas en utilisant de plus en plus de bois qu'on abîmera les forêts. Au contraire, c'est une gestion durable de la forêt qui permet d'arriver à fournir les produits dont on a besoin. Voilà, parce que ça, évidemment, va avec un ensemble plus vaste qui est la gestion de la forêt, la plantation et l'avenir aussi des forêts en France. Dernière question, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Il y a un autre sujet qui est très important, c'est la taxe carbone. Oui. C'est le deuxième grand volet de notre demande, puisque la forêt capte 20% du CO2, au moins 20%, et la taxe carbone qui a été mise en place par les différents gouvernants ne revient pas à la forêt, va ailleurs, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et donc, nous revendiquons très fortement qu'il y ait une partie, on demande 1 euro par tonne de carbone, ce qui nous ferait 180 millions d'euros pour la filière dont on a bien besoin. D'accord, c'est ça. Par exemple, sur les actions, vous pourriez faire une raison objective pour qu'une partie de la taxe carbone ne revienne pas à la forêt. La forêt, pour l'environnement, c'est une solution, c'est pas un problème, c'est une solution. C'est une solution pour l'environnement. Hein. Exactement. C'est une solution pour l'économie locale, pour l'environnement. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir profiter aussi de cet aspect-là. Absolument. Une idée rapidement sur cette taxe carbone, c'est 180 millions d'euros, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pourriez faire avec ? Moderniser tout le circuit industriel. Le mot le plus fort actuellement dans notre filière, c'est l'innovation, la recherche et le développement. 30% du budget de France Bois Forêt part dans la recherche, le développement et l'innovation. Et c'est là-dessus, il y a énormément de progrès à faire. Nous avons cofinancé un salon qui s'appelle Forestinov à Mâcon il y a 2 mois, qui a eu un énorme succès. Et on s'aperçoit qu'il y a des start-up formidables qui rentrent dans la filière pour aider les propriétaires forestiers, les sylviculteurs, toute la filière à moderniser ses outils de production. Voilà. Donc du pain sur la planche et un peu besoin de financement. Beaucoup de projets. Ce serait bien. Donc avis aux candidats à l'élection présidentielle de s'intéresser à la filière bois française. Et les jeunes qui s'intéressent à la filière, je peux vous dire qu'il y a énormément de travail à faire. C'est un secteur d'avenir. Secteur d'avenir. La dernière fois qu'on s'était vu, et ce sera notre conclusion, on avait parlé d'une campagne de communication importante que vous alliez mettre en place. On en est où ? Alors, nous avons sélectionné 6 très grosses agences de publicité qui donneront leurs résultats dans 15 jours. Et la décision finale sera prise le 19 avril pour un lancement le 7 septembre. Donc tout le planning est tenu. Les plus grosses agences de publicité françaises ont répondu à l'appel d'offres, ce qui nous a beaucoup étonnés. Et en fait, elles sont fortement intéressées par notre filière, qui a besoin de communiquer. Voilà. Et le bois les intéresse, en fait. Et les bois les intéressent, exactement. On a été agréablement surpris de l'appel d'offres. Merci Cyril Lepicard, président de France Bois Forêt. Et donc, je le rappelle, hein, les enjeux de la filière bois forêt pour les élections nationales 2017. Sur le site France Bois Forêt. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt pour une prochaine conférence sur le plateau de Bâti-Journal.